Hey, salut tout le monde, c'est Nos, on se retrouve pour la suite sur cette série Skyblock. Ça fait quelques temps maintenant, sans dire de bêtises, ça doit faire 3 semaines. Puisqu'on a eu l'épisode de présentation sur le One Block, puis un épisode de RTX dimanche dernier. Donc j'espère que vous êtes content de retrouver la série. On peut dire que le dernier épisode n'avait pas été glorieux. Donc je me suis donné 3 blocs de cactus. On va pouvoir voir pour les planter, même si au final j'ai pas tant de sable que ça, alors il va falloir que je trouve une solution de comment je peux me débrouiller autrement. Sinon, bah tant pis, on fera avec d'autres sables. Hein. Et voilà, et entre les épisodes, j'ai quand même eu le temps de farmer pas mal de stone. Je suis quand même content, j'avais celle-là, tiens d'ailleurs. Et du coup, on va pouvoir bien bridge pour aller un peu plus loin. Mon idée, je sais pas si vous le voyez, mais. Au fond là-bas on a la tour là et je me dis qu'il y a sûrement des choses sympas qui peuvent être à récupérer. Donc ce que j'aimerais bien faire aujourd'hui c'est peut-être je pense build d'ici à ici. Et puis on verra si on a le temps d'aller jusque là-bas ou alors auquel cas on fera le portail du Nether. Comme ça on sera tranquille et ça fera cette fête. Et on a ces mobs. Je vais plutôt dormir, ça sera plus simple. Vous ne pouvez pas dormir, il y a des mobs à proximité. Toutoum, hop. Ah, cassé. C'est cassé! Est-ce que ça va suffire? Oh. L'araignée. Qui c'est qui va encore mourir à cause d'une araignée? Ce coup-là, il n'y en a qu'une. C'est peut-être plus simple. Mais à la main, c'est pas le mieux quand même. Non! Ouf. Alors, on va se faire rapidement une épée, même si c'est en pierre. On va même en faire une en rab. Parce que là, ça a failli être encore la crise. Non, faut que je garde ça. On va mettre ça. Dans le risque, on va pas perdre ça pour l'instant. On va le mettre ici. On a des dalles. Pourquoi j'ai autant de dalles, moi? Je voulais bridge avec ou je voulais faire quoi avec? C'est la bonne question. Ok, donc on va embarquer pas mal de stone. Je dois pouvoir me coucher ce coup-là. Oh, la vue, elle est. Ah, ok. Donc, ça, on n'en a pas besoin. Ça, en soi, on s'en fiche. On a un peu à manger. On va reprendre au cas où. Tac, tac, tac. Et on va faire de la dalle. Tac, tac. Bon, on devrait être tranquille, je pense. On va pas prendre le bois, du coup. Et on va y aller comme ça. Et ça sera très bien. Eh ben allez, c'est parti, on a la tour qui est dans le fond là-bas. Donc on va avancer, on va manger déjà pour commencer. Hop. Hop, voilà, nickel. Et on va aller donc jusqu'au bois qui est sur la droite. Je suis en train de chercher c'est quoi comme type de bois. Comment ils appellent ça? Parce que c'est pas vraiment du sapin, c'est du bouleau peut-être. Aucune idée. C'est pas grave. Hop. Je pense qu'on va pouvoir aller direct à la tour. J'espère juste ne pas mourir bêtement en y allant. Ça serait un peu dommage quand même. On va faire ça. On va dévier ici. Tac. Tac, tac. Est-ce que là on sera en face? Ça doit être pas mal. Allez, c'est parti. Du coup, le temps que ça avance, hein, parce que voilà. J'espère que le dernier épisode de Skyblock vous a plu. Je m'interroge beaucoup sur cette série dans le sens où je prends du plaisir à build dans la série. Par contre, je ne prends honnêtement plus de plaisir en ce moment à farm tout bêtement les ressources pour pouvoir build tout ce que j'ai envie de faire. Et je me retrouve un peu frustré de. Ah ouais, mais j'aimerais build ça, sauf qu'il va me falloir 4 heures pour aller chercher ces ressources-là, et celle-là, et celle-là. En fait, je suis en train de me demander si je ne passerai pas la série RTX en créatif,
pour que globalement je fasse, on va dire, que du build et que je puisse vraiment vous montrer tout ce que j'ai envie de vous montrer. Je sais que le début, l'initial de la série, c'était quand même de se dire bah je farm et en même temps on fera du build avec. Sauf que là la partie farm en ce moment ne me plaît plus sur cette série RTX. Et j'ai peur de faire quelque chose qui ne va pas m'intéresser tout bêtement. Puisque je prends du plaisir au visuel, je prends du plaisir à construire, je prends du plaisir à vous le faire partager. Sauf que moi, entre les deux, bah, je suis obligé de jouer 5-6 heures à fond en farmant de la ressource. Alors vous allez me dire, en ce moment je fais du First Sky, c'est un peu le même principe, sauf que ça n'a pas le même intérêt à mes yeux, on va dire. Et du coup, je voulais avoir votre avis, si ça vous dérange ou non, que dans le prochain épisode, je passe la map en créatif pour pouvoir uniquement build et faire vraiment un bel espace médiéval, type château, maison, route, et qu'on ait vraiment tout ce qu'il faut à volonté pour se faire vraiment plaisir avec la carte RTX et puis le pack RTX. Et qu'on profite tous pleinement de cette beauté. Donc j'espère que ça vous dérangera pas. Si ça vous dérange, on le fera pas ou on le fera plus tard. Mais voilà, j'attends vos avis dans les commentaires. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire. Et puis comme d'habitude, à me dire dans les vidéos si le contenu vous plaît. Ça m'intéresse toujours, donc voilà, et puis vous me direz et on fera avec. Donc voilà, hop, bon, on est rendu à la première. Alors, j'ai coupé juste un bois, c'est par curiosité, c'est juste pour voir c'est quoi comme bois. Et du chêne noir, ok. Donc là on aura du chêne noir si on veut. Je vais le remettre là, on peut prendre le risque de le perdre au cas où. Et on va mettre ça là, comme ça pareil on prendra pas de risque de le perdre. Et on va aller là-bas. À mon avis ça va être chaud, puisque je pense qu'il va y avoir des pillagers. Une certaine personne en commentaire qui m'a quand même beaucoup aidé depuis le début de cette chaîne m'avait bien donné le nom quand l'autre fois je le cherchais sur la série RTX. Donc maintenant j'ai retenu. Donc voilà, et puis je pense que donc la semaine prochaine, oui, je sortirai donc un épisode RTX, en créatif ou non, en fonction de ce que vous me direz. Et après, donc je suis en train de réfléchir, soit je referai un épisode Skyblock du rythme classique, mais je réfléchis aussi pas mal en ce moment à des petits épisodes classiques qui sont pas des séries, entre guillemets. Peuvent être, j'ai notamment 2-3 idées en tête en ce moment. C'est alors l'avancement sur le serveur First Sky, mais je pense que ça peut attendre encore, parce que même si on avance bien, il reste encore beaucoup de choses avant de vous montrer, si ça vous intéresse en tout cas, et n'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires si ça vous intéresse, mais de vous montrer comment on a avancé l'île. Mais j'ai surtout en tête de tester des packs de textures. Là ce sera plutôt, je pense, sur la partie Java. Mais j'aimerais bien tester, comme j'avais demandé à ceux qui ont le Discord, d'ailleurs vous pouvez toujours le trouver dans la description, hein, comme à toutes les vidéos, et n'hésitez pas à le rejoindre, ça me ferait énormément de plaisir et on pourra discuter ensemble et ça sera cool. Mais j'aimerais justement faire des petites vidéos de temps en temps pour tester des shaders avec des packs de textures, on va dire, les plus réalistes possibles. C'est-à-dire que pour faire simple, si vous le savez pas, dans Minecraft, un bloc là comme là, c'est globalement 16 pixels par 16 pixels. C'est-à-dire que si je compte, ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Et en fait il y a certains packs de textures qui peuvent monter à plus de détails, au point de, quand je dis à plus de détails, c'est à dire que le maximum que Minecraft est capable d'accepter, c'est 2048 je crois, pixels pour un bloc. Donc vous pouvez imaginer à quel point le pack de textures peut avoir un sacré détail.
Je pense que j'ai l'ordi pour le faire tourner, donc ça pourrait être ultra intéressant de coupler un pack de textures ultra réaliste avec des shaders qui font embellir le ciel, l'eau et ainsi de suite. Et pour qu'on puisse tout bêtement voir sur une map, ne serait-ce que juste en créatif, hein, c'est juste pour voir ça ensemble, entre guillemets, le découvrir ensemble. Mais que j'aimerais bien vous partager ça, donc si je pense que je le ferai, et puis si ça vous intéresse, soit vous pouvez déjà me le dire maintenant, mais je pense que dans tous les cas je le ferai, parce que ça, moi perso ça m'intéresse, et je pense que ça peut en intéresser certains. Et puis auquel cas, quand je la sortirai, sûrement en septembre on va dire, vous pourrez me dire si ça vous plaît aussi, et si on peut en faire d'autres par exemple. Donc voilà. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, et je suis content, puisque vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, c'est-à-dire que au moment où là je fais cette vidéo, on vient de passer donc les 85 abonnés. En soi, ça peut paraître pas grand-chose, forcément, si on se compare à des grosses chaînes YouTube avec des millions d'abonnés, mais moi, à ma petite échelle... C'est énorme, dans le sens où, comme je l'ai toujours dit depuis le début, je pensais avoir, pour ainsi dire, 10 abonnés pendant un an sur la chaîne. J'ai publié du coup sur la chaîne une douzaine de vidéos, je crois. Et sur cette douzaine... Oh ! Il est en train de me shooter. Il est en train de me shooter. Non, vous le voyez hein, ce qui va arriver. Là il devrait plus arriver à me shooter. Et bon, le temps que ma vie remonte un petit peu. Comme je disais, je suis content parce qu'au final avec une douzaine de vidéos, on approche de la centaine d'abonnés sur la chaîne. Et vous pouvez pas savoir comment ça me fait plaisir, donc je suis vraiment content. Et j'espère que pour vous le contenu vous plaît toujours, donc voilà, je suis content qu'on avance un peu tous ensemble dans cette aventure. Et j'espère que ouais, ça vous plaît toujours autant. Donc voilà, je suis très très heureux, on va dire. Bon, j'ai toute ma vie. On va essayer de rush. Non! Bon. Eh ben, c'est la vie du Skyblock, hein, j'ai envie de le dire. le truc, c'est que... Ouais, ça va, on n'avait pas tout pris. On avait une épée d'avance, normalement, quelque part. J'avais pas une épée d'avance. J'ai dû la garder dans mon inventaire, tant qu'à faire. On est d'accord, on voit pas d'épée, là. ok, bon, on va dire que globalement, on a bridge quand même jusqu'à là-bas, ce qui est pas mal. Est-ce que si je prends juste les pommes ça va suffire? On va dire que ça va suffire. On va d'abord faire un truc avant d'y retourner. C'est ça. On va mettre du sable. Tac. On va mettre du cactus à pousser. Parce que de toute façon il nous en faudra. Il nous en faudra, si je dis pas de bêtises, un stack complet pour arriver au succès. Est-ce qu'il est dans celui-là? Ah, on l'a pas. Oh, il doit apparaître plus tard. Alors, peut-être, je pense, en débloquant certains, on doit le débloquer. Ouais, ça doit être ça, je pense. Donc, à mon avis, il en faudra un stack. Dans tous les cas, j'ai l'impression que le Skyblock, il faut toujours un stack de quelque chose. On va commencer. Je vais le mettre à tourner, entre guillemets, comme là. Et puis, on verra. Je suis content d'avoir quitté notre monde. Voilà. bon, on va espérer que ça suffise. On va espérer. Ouais, dans tous les cas, on va pas perdre du temps à... Par contre, je vais prendre une marche normale pour pas trop consommer de nourriture. Mais on est tout au bord en espérant... De toute façon, bon, c'était à prévoir, hein, comme j'ai dit juste avant, les pillagers, je me doutais un petit peu qu'ils allaient être dans cette tour, puisque de base, ils sont dans Minecraft.
Donc c'était un peu évident qu'on allait se faire défoncer. Mais j'aurais dû étaler un petit peu la base vite fait pour que quand il me shoote, je ne rip pas sur les côtés. Mais bon, on va dire que ça fait partie du jeu, c'est pas grave. En soi, on a perdu que des dalles et un chouïa de nourriture, mais j'en avais pas non plus des tonnes, donc c'est pas grave. Bon allez, on va courir un peu, sinon on va y passer toute la journée, vous allez vous retrouver avec une vidéo qui fait 40 minutes. Et chaque mois, au-delà de 30 déjà, je trouve que ça commence à faire long. Même moi, personnellement, quand je regarde une vidéo sur YouTube, puisque je suis je propose du contenu sur la chaîne, mais je suis aussi très gros consommateur de YouTube. Et ouais, au-delà de 30 minutes, je trouve qu'il faut trouver le temps vraiment de regarder la vidéo, alors que pour moi, en dessous de 30 minutes, il y a quand même la possibilité de la regarder à une pause, voilà. On va dire que c'est plus simple pour moi, alors que là, 30 minutes, faut prendre le temps de la regarder, et les jeux... Je trouve qu'on n'a pas toujours la dispo, donc pour moi, moins d'une demi-heure, c'est quand même une règle un peu que j'essaye de me donner. Il me semble, sans dire de bêtises, que j'ai dû faire une fois 30 minutes et 15 secondes. mais je pense que je ferai jamais plus. À moins que demain, je fasse vraiment du créatif avec du time-lapse et des choses comme ça sur un projet un peu important. Ou voilà, mais sinon, je pense que ça n'arrivera pas. Voilà. Hop, on va manger. Hop là, on mange encore un coup. Et là, on rush. Parce que là, il va chercher. Oh. Alors là, il s'est mis tout sauf à l'endroit où j'aurais aimé qu'il se mette. Bon, on va essayer. Voilà. Oh merde. Ben, je suis remords. c'est super, sauf que là, du coup, j'ai plus de nourriture. Donc, on est bien. Si je mange ça, j'ai une chance sur deux de me faire empoisonner. Donc, c'est super. Ok, et ben. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que je fais. Allez, on va le faire quand même, vite fait. On va faire un petit peu la pêche. On va pêcher un petit peu, récupérer 3-4 nourritures. Là, honnêtement, il n'y a plus qu'une épée à faire. Foncer, les shooter, les pousser. Et puis... Ah, il faut que je regarde carrément. Il faudrait que je fasse un bouclier, vous allez me dire. Et oui, ça serait forcément mieux. Mince, ça va pas pêcher si je fais qu'à... Si j'attends que la ligne tombe dans l'eau, hein, bien sûr. Ouais, je pense que ce qui serait intéressant, c'est de faire un bouclier. Ouais. On va faire ça, comme ça on pourra se protéger des archers et on va essayer de rester un peu au bord quand même, comme ça s'ils nous shootent on pourra les pousser pour ainsi dire et les faire tomber dans le vide, en espérant qu'il n'y ait pas un truc qui les fasse spawner tout le temps là et que c'est le gars du mod qui a créé la map qui les a mis là, parce que sinon on va revenir à chaque fois, on se fera tout le temps shooter. J'espère là on en a 2-3 qui sont tombés ou morts. J'espère qu'ils reviendront pas. Qu'on soit tranquille, ça se trouve doit y avoir des coffres, des choses comme ça. Ou alors qu'on n'ait pas à revenir, mais bon, ça serait un peu bête. En vrai, je pense qu'il y a un épisode où entre deux épisodes, je pense que j'irai ramasser les îles. Parce que en soi, on n'a aucun intérêt à y retourner à chaque fois pour ramasser le bois, les choses comme ça. Je me dis autant y aller, tout ramasser et puis tout faire sur l'île principale. Je pense que ça pourrait être mieux. Ouais, je pense que je ferai ça. Alors, pas tout de suite, hein, mais plus tard. Quand on se penchera pleinement sur les succès, je pense que ce sera intéressant de faire ça. Bon, ça veut pas. Allez, hop. On récupère le poisson. On met le dernier à chauffer. On regarde. Ça fait pas chauffer de toute façon. Ça, ils auraient dû faire un truc comme ça. Parce que ça sert quasi à rien, on va dire. Ils auraient pu les faire chauffer pour pas qu'on s'empoisonne quand on les mange. Ça aurait été une bonne idée au niveau du jeu, je trouve. Mais bon,
c'est comme ça, mais ça aurait été bien. Allez, les petits poissons, faut qu'on file, nous. Faut qu'on file, on va en profiter pendant que ça arrive. On va faire... Tac, petite épée. Alors, le bouclier... Si je me mets là, il me faut quoi? Ah, il me faut du fer, je pourrais pas le faire. Mince. Bon, eh ben je pourrais pas le faire. Eh ben tant pis, on va y aller comme ça. Allez. On va espérer que ça passe et que au pire des cas il y a à manger dans les coffres là-bas. Parce que sinon sinon ça sera tendu. Mais bon, au pire si on fait l'aller, bah tant pis, on mourra au retour. Et puis moi, entre cet épisode et puis le prochain, je ramasserai beaucoup de nourriture pour qu'on soit tranquille. Comme là j'avais fait un peu avec la pierre, même si bah du coup elle est vite descendue puisque je meurs avec, donc ouais. Je pense qu'on fera. Je ferai ça entre cet épisode et puis le prochain. Comme ça, je serai pas comme là un peu embêté où je suis obligé de pêcher. Sinon, autant que je live et puis je vous montre que je pêche pendant 2 heures et puis on discute en attendant. Hein. Je sais pas si ça peut vous intéresser et je sais pas si moi je peux prendre. J'ai la dispo ou même si je me sentirais à l'aise. Mais si ça vous tente, vous voulez me voir pêcher pendant 2 heures, eh ben on fera ça. Hein. Donc, ouais. Hop. Je vais pas shooter le poulet. Le poulet, je sais pas si on peut. Ouais, non, il fait des. En fait, faudra s'amuser à récupérer comme là. Je récup les œufs. Faudra les récup. Essayer de refaire spawner des poulets là-bas. Et puis arriver à faire une ferme poulet. On va espérer que j'arrive à revenir. Et auquel cas, je garderai bien plusieurs œufs à côté. Et comme ça, si on arrive à avoir un ou deux poulets. Et qu'après, on peut les. Un peu les. Je sais plus, les poulets ça se reproduit en les nourrissant, non? Ou c'est juste ça fait des œufs et auquel cas avec ces œufs on peut avoir d'autres poulets. Je ne sais plus. Sinon moi je vais shooter les pillagers avec un œuf. Hein. S'ils veulent pas de moi dans leur base, je vais faire ça. Hein. Bon, alors on va essayer d'y aller. De toute façon ils me captent, j'en vois déjà 2. Oh, laissez-moi. Bon. Eh bien, je pense qu'on n'y arrivera pas aujourd'hui. Hein. ça me paraît un peu... tendu, j'y vais un peu à l'arrache et voilà. Alors vous allez vous dire, en ce moment ma chaîne c'est que ça. Dans l'épisode Arctic, je suis mort dans la lave. Là globalement je passe mon temps à me faire shooter par des pillards comme ils le mettent ici là. en ce moment c'est pas la gloire moi dans Minecraft. Hein. y a qu'au pire un petit peu sur First Sky que je m'en sors bien, mais là c'est pas glorieux. Donc je vais essayer de bien me préparer d'ici au prochain épisode, avoir un peu peut-être de protection, un stuff on peut faire un stuff en pierre ou pas, ou il faut absolument faire, parce que s'il faut absolument faire, oh non on peut pas faire stuff en pierre, bon bah ça sent encore nos stuff ça. Hein. Et vu qu'il n'y a pas de diamant, il n'y a pas de... Voilà, eh ben, c'est bien. Ah, ou alors si, en allant, quand on ira dans le Nether, je pense qu'on fera ça du coup au prochain épisode, parce que ça fait déjà 25 minutes là. Peut-être qu'on aura moyen d'avoir de l'or avec les mobs du Nether. Ça peut être une option par contre. Par contre, le fer... si, ou le fer, en fait, faudra avoir des... Il faudra une ferme à golem.
Mais ça a demandé beaucoup de temps pour avoir juste dû faire. Donc voilà. Bon, et ben j'espère que cet épisode vous aura quand même plu. Je peux comprendre que vous êtes déçu qu'en ce moment je suis pas bon à Minecraft. Après, bon, je pense que ça arrive à tout le monde. Mais bon, je vais essayer de m'améliorer. Hein. Et puis, bah, si cet épisode il vous a plu, bah, n'hésitez pas à laisser quand même un pouce bleu. Et puis, à répondre un peu à tous mes sujets que j'ai pu parler durant la vidéo là. Pardon, je viens de taper dans le micro. Et puis bah, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Et puis, je vais vous dire à la prochaine. Salut tout le monde, c'était Nos. Salut.